Bonjour et bienvenue, on est reparti pour notre survie dans la tempête. Il fait froid, il fait méga froid. Moi, je crois. Moins 27. Ah, moins 27 et on a toujours cette insomnie. Honnêtement, l'insomnie a pas l'air d'être trop embêtant. Pour le moment, j'ai pas vu de gros effets néfastes en fait. Donc ça va. Mais bon, on a une carcasse de. Est-ce qu'on la voit là? Non. On a une carcasse de. Là-bas. De machin. De gros machin. À dépecer. Je sais pas comment on va se débrouiller pour y aller. Je sais pas vraiment. Qu'est-ce qu'on peut couper là? Il nous faut du bois, il nous faut du feu. Une étagère. Mais ouais, la dernière fois on avait combattu donc un élan. Ça s'est bien passé. On a failli passer, honnêtement on a failli mourir. Mais bon. On a bien joué. Tout ça. Donc ça s'est bien passé, je suis content. C'est du cru, faudra le faire aussi. Je crois que je les avais mis trop derrière moi, j'avais pas fait attention que j'avais encore ça à cuire. Ou alors c'est parce qu'il y avait du feu, c'était éteint, je sais plus. Enfin voilà, en tout cas l'élan, le corps de l'élan est vraiment au plus mauvais endroit au monde. Genre il y a zéro protection. Donc ce qu'on va devoir faire c'est... Ou on a de la chance et il n'y a pas de vent pendant plusieurs heures. On fait un feu à côté. Ou alors on découpe tout. On prend 2 heures. J'ai pensé à ça aussi, on peut peut-être faire ça. C'est peut-être moins dangereux pour nous. Je crois qu'il y a des lapins qui traînent. Peut-être moins dangereux pour nous, on découpe tout, comme ça on a la peau et les boyaux qui sont déjà faits. Et surtout on a... Et j'entends des bruits, je suis pas fou quand même. Et après on aura les sacs de viande et on les ramène à la maison et on les découpe à la maison en fait. J'ai pensé à faire ça. Je pense que... Alors, ça va être c'est le plus chiant, parce qu'honnêtement, les boyaux, à la limite, on n'a pas trop besoin et tout. Et c'est le moins rapide, parce qu'en fait, on découpe... Ah, quoi que... Enfin, faut voir. Ouais, il y a 30 et quelques kilos de viande. Je pense pas qu'on le fasse en 2 heures. Je sais pas. Genre, je sais pas si avec le couteau, en fait, on va plus vite que découper la carcasse avec des sacs, comme j'avais expliqué. Faudra voir, faudra tester. Mais si on va pas plus vite, en découpant genre pièce par pièce, je pense qu'on va devoir faire ça en 2 heures, là on découpe tout. Comme ça on peut tout ramener ici, ça sera beaucoup moins dangereux. Parce que honnêtement, c'est comme jouer à la loterie, pour le vent ou pas. Parce que là il y a strictement rien qui va nous protéger du vent. Donc ouais, autant la jouer safe, on fait un feu pendant 2 heures. Puis on découpe ça, puis même si le vent se lève après 1 heure, bah on aura quand même... Enfin, on sera pas mort gelé quoi, c'est ça que je veux dire. Ouais, c'est déjà ça. Bon par contre... Ouais, enfin c'est un peu relou là. Un peu relou, puis en plus on a tellement dormi que voilà... Ouais, y a tout qui fait pour... Bon bah j'ai rien dit. Par contre on va prendre plein de bouts de bois parce qu'il y a strictement pas de bois là-bas. On a combien de bois? 22. On a que ça en plus. Hein. On a que ça. On va peut-être prendre ça aussi. Ah non non mais attendez, il y a les loups, ils vont faire chier. Les loups qui vont faire chier. Elle est où la grotte? Elle est derrière. Pas la grotte, non, le passage en fait. Tiens, il y a eu des... Vu que là on va faire du truc redondant et tout ça. Il y a eu un message des développeurs. Ils se sont excusés. Rappelez-vous que les excuses ne fixent jamais les problèmes. Une fois que le mal est fait. Bref, une excuse par rapport au lancement
lancement limite catastrophique, en fait, du DLC. Parce que oui, au final, il a été catastrophique. Il y a eu même des problèmes par rapport au prix. Dans certaines régions, il était genre 3 fois le prix et tout ça. Il y avait pas mal de problèmes. Puis tous les bugs. Au passage, j'ai toujours des bugs, hein, moi. Genre, par exemple, mon jeu s'ouvre toujours sur la mauvaise fenêtre. Ça, ça a pas changé. Et pourtant, ils sont au courant, parce qu'ils en ont parlé dans une mise à jour. Ils ont dit qu'ils étaient au courant de ce bug. Qu'ils travaillaient dessus. Bon, ça va faire 2 semaines quand même. Enfin bref. Non mon dieu, faut que je clique 150 fois. On peut pas rester appuyé, ça sert à rien. Genre si je fais 37 kilos. Au couteau, 9 heures. Ouais, d'accord, c'est bon. Ok, ça marche. Donc ouais, on va tout simplement faire un feu. Ça. ...85% maintenant. Ça m'embête parce que... là, on va faire un feu juste pour se tenir au chaud. Quoique après, je peux découper genre 2 steaks. À la limite, j'ai envie de dire. Et deux steaks. Et comme ça, on les chauffe. On les cuit, pardon. J'essaye de me concentrer en même temps, c'est compliqué. On est toujours à moins... Putain, je crois qu'on va devoir y passer. On va devoir passer tous les bâtons. Ok, on est en positif. Yay, trop bien. Okay, par contre, on va manger des massettes 2 secondes, parce que, comme j'ai dit, on est en dessous des 50%. Donc ça, c'est un problème. On est en dessous des 50% de vie. Donc on va avoir de sévères problèmes dans pas longtemps. Faut absolument qu'on commence à régène. Ah oui, c'est parce qu'elle est gelée aussi, la carcasse. Ah oui. Alors attendez, si on fait ça à la hache, la scie, pardon. Ouais, mais on dépassera tout le temps les 2 heures. Non, c'est mieux de découper en fait. C'est mieux de découper. Par contre, je veux bien prendre 2 steaks. 15 minutes. Comme ça, on va en cuire 2 au moins. Comme ça, c'est déjà ça de fait. Et puis en plus, c'est long. 1h05. Ça va. Après, on peut prendre n'importe quoi. On peut prendre la scie. Ah! Faut attendre. Ah putain. 56. Faut que ça soit 50% gelé. Alors attendez, on va faire ça. Parce que je veux pas que les steaks brûlent en fait. Parce qu'on va mettre 2 heures à découper. Attends, fais voir, putain. Pas que le vent se lève parce que sinon on va être dans la merde. Alors attends, maintenant je mets combien de temps? 2 heures pour 20 kilos. Ah, peut-être que ça vaut plus le coup maintenant. Vu que la carcasse est dégelée. Mais casse-toi! Casse-toi. Minutes. Non, c'est mieux de faire des... Non, on va faire ça. Merde. Ok. Mais casse-toi! Merde! On a perdu un steak parce que c'est de la merde. Et chier, on est niveau 4 là. Encore 1h30. Ouais, ça va.
Ah putain, on a perdu un steak, je suis dégoûté. Casse-toi le loup. Non mais casse-toi. Ah, on a toujours pas changé. Hein. On a toujours pas changé, tu te casses. On a encore du feu en fait. Bon, du coup, on va changer un peu la donne. Ah putain, je suis dégoûté d'avoir perdu le steak. Ah mon dieu. Qu'est-ce que ça me gave. C'est 1080 calories perdues quand même. Tout ça parce qu'il y avait le sac qui était posé devant le feu et je pouvais pas accéder à la au steak en fait. Ah! Putain. C'est pas grave. Alors là, j'ai pris tous les boyaux plus la peau. Ah, me dis pas que le vent vient de se lever. Il faudrait un icône pour voir s'il y a du vent, en fait. Alors, je sais qu'on peut l'entendre et tout ça, mais en fait, des fois, ça veut pas dire que vous avez l'effet du vent. Donc, il faudrait vraiment un icône pour indiquer est-ce qu'on peut faire du feu ou pas, quoi. Ça, je trouve ça vraiment très con qu'il n'y ait jamais eu ça. Parce que des fois, ça serait très intéressant de le savoir pour le feu et tout. Yeah! Combien? 10 jours. Ah ça, c'est un peu moins long que le... J'ai que 8 trucs. J'ai dû en louper. C'est pas grave. Ah mon dieu, cette zone, elle est débile. Quoi. Par contre, il y a du bois. Là. Non, j'arrive. Voilà, par contre, on a une bonne chose. Hein. On a une bonne chose, on a beaucoup de calories, ça c'est cool. Je suis content. Ça. Mais bon, va falloir tout ramener. Quoi. Encore heureux que les loups ils peuvent pas manger les sacs et tout. Hein. Sinon, la merde que ce serait. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper un peu les sacs. Vite fait. Et on va cuire un peu de la viande. Comme ça sera déjà fait. Parce qu'il faut utiliser le feu, hein, honnêtement. Ça serait débile de pas l'utiliser. Non mais là il y a du vent là. Là je vais pas à ma vitesse là, si. Je suis même pas. Je dépasse pas les 30 kilos. Non là il y a du vent là. Je vais voir le feu. Et le feu il est pas soufflé là? C'est quoi ce bordel? Non. Ouais, parfait. Je savais que c'était un peu plus que... Par contre, pour se réchauffer, on va faire ça parce que sinon on va être un peu dans la merde. On va se mettre là. Parce qu'on est un peu... On est un peu trop dans la galère en fait avec la chaleur. Bon, maintenant, c'est parti. Alors ça c'est le fun. Le fun total. Je sais même pas si ça donne du... De la carcasse. Je vais faire ça. On va recycler. Alors le mieux c'est quoi? C'est le couteau. Non, ça donne même pas du... Oh là là, qu'est-ce que c'est nul. Ouais, honnêtement, c'est nul de faire ça. Mais bon. C'est comme ça. Voilà, ça on mange tout. Ah oui, aussi, j'ai l'impression que ça pourrit 15 fois plus vite. Je veux pas dire, mais les sacs, ils sont déjà à 60% à peu près. Et la viande, quand elle sort, elle est... Ouais, 67. En fait, elle est à la même qualité que le sac en lui-même. Et, je trouve ça un peu... Ah, on peut collecter directement. Ah, on peut faire ça. C'est bon.
Et en plus, les sacs, ils sont pas pile à chaque fois. Je crois qu'aucun sac ne va être pile, genre 3 kilos par exemple. Oh putain, il y a le vent qui a soufflé. Chier! Ah ouais, c'est mort. Non, mon dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient de me bouffer un sac. Attends, qu'est-ce qu'ils sont en train de me faire là? Ah, c'est bon. Je crois qu'on a perdu un sac. Je vais péter un câble. je vais tous les tuer. Je vais tous les massacrer. Je crois que le truc il m'a bouffé un sac entier. Genre ça fait, je sais pas, 4 kilos de viande. Alors je sais pas si c'était un sac que j'avais déjà entamé. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Ils me flairent de là, tu crois? Ah, quoi que si, en fait. Non, si, on est à 3, on est au max, en fait. Non, non, ils nous flairent d'extrêmement loin. Non, c'est débile. Enfin, c'est débile. J'ai l'impression qu'ils ont dû augmenter ça, en fait. Attends, parce que là, je vais un peu trop lentement, quand même. En plus, on a froid. Aïe aïe aïe! Ah, c'est le pur bonheur! Je pensais pas que ça allait être aussi pourri. Hein. Tiens, avant de commencer, je me suis dit: ah tiens! On va avoir plein de calories, ça tue! Ah ouais, mais bon. Après, on va pouvoir faire cuire la viande, on va récupérer 50% de qualité. Mais ça reste quand même nul, hein, parce que là, si on va dormir et tout. En plus, il faudrait qu'on dorme pour se réchauffer vite. Au moins une heure. Ça va être la galère. Ça va être un peu la misère. Ouais. On va dormir une heure. Il faut que je me réchauffe et quand on est dans le lit, on a plus chaud. Après, on pourrait attendre dans le lit. Peut-être qu'on peut genre attendre genre 40 minutes, on gagnerait un peu. Mais je crois que le mieux, c'est de tout simplement dormir. En fait. Il pourrait pas faire juste bon... Genre juste le... Putain, avance, avance. Oh, je vais te casser. Ah, désolé, faut pas que je m'énerve. Pardon. Il pourrait pas faire bon genre le temps... Putain, en plus, j'arrête pas de monter sur les murs. Le temps qu'on récupère les sacs, qu'on ramène les sacs en fait. Parce qu'on en a au moins 5 ou 6 de sacs quand même. Ça va être relou. On a des steaks. Toi je vais te défoncer, toi je crois. Vas-y, viens. Allez, ramène-toi. Ça, tu m'as gavé. Hé, oh! Hé, le casse-couille! Vas-y, ramène-toi. C'est bon? Suivant? Toi aussi, vas-y viens. Viens, on va te mettre juste à côté de ton pote en plus, regarde, tu vois. Et vu que je tremble pas, vas-y viens.
Voilà. C'est bon? Vous en avez pour votre argent? Alors, c'est du... 10 kilos, quoi. C'est du 10 kilos. Après les sacs, je sais pas le mieux. Ouais, je pense honnêtement que ça fait pas de différence hein, pour les sacs. Mais est-ce qu'on les laisse à l'intérieur ou à l'extérieur des bâtiments? Parce que vous savez que si on laisse les choses de la viande à l'extérieur, dans le froid, ça pourrit plus lentement. Donc je me demande si pour les sacs bourrés de viande, si c'est la même chose ou pas. Je suis pas sûr. Oh, notre vie, comme elle est basse. Bon, là, on va pouvoir se... Ça va nous prendre plusieurs nuits, hein, mais on va pouvoir récupérer un peu de vie. Parce qu'on va toujours être dans le positif, là. Il nous faut du bois, maintenant. Il faut beaucoup de bois. Mais, ouais, niveau calories, ça va être bien. Ça va être bien. On a... Honnêtement, on a déjà eu pire. Des fois, on était vraiment dans le rouge, mourant et tout. Ça nous est arrivé, ça nous est arrivé. Ça nous est arrivé où qu'on doive nous se piquer avec la seringue d'urgence, là. Ça nous est déjà arrivé. Je crois que j'étais... genre dans un blizzard. Et on a dû se booster. On a dû se booster à la piqûre. Évidemment, tu drops ça en premier. Parce que sinon, c'est pas vrai. Ah, mais en fait, non, oui, non, on peut tout laisser à l'extérieur. Okay. On va redormir une petite heure histoire de se réchauffer. Un peu chiant ce gameplay, hein, mais bon. Ah, je me suis pas bloqué pour une fois. Faire attention là, parce que j'ai tendance à aller sur les côtés. Et notre perso, c'est Spider-Man un peu quand elle veut. Et du coup, elle s'accroche en fait aux parois. Donc si vous sprintez et qu'elle a un peu tendance à s'accrocher à la paroi et que vous retombez, vous vous pétez les quatre jambes. Oui, j'ai bien dit quatre. Donc faire gaffe à ça. Je pensais que ça allait mieux se passer, mais honnêtement, je vois pas pourquoi je pensais ça. Parce que quand on avait déjà fait ce système avec les sacs et tout ça, et honnêtement, pour être franc, ça s'est jamais bien passé. Ça s'est jamais parfaitement bien passé. Ça a toujours été la merde. Parce que c'est lourd, faut faire des va-et-vient, c'est chiant. Donc bon. Ouais, c'est normal. Bon après, il y a une chose qui est bonne, c'est qu'on a beaucoup de calories, on a de l'eau. Et on se fatigue en fait à sprinter là comme ça tout le temps. Donc on va pouvoir dormir longtemps. Ceci dit, après on a l'insomnie. Mais bon, pour le moment, je l'ai pas vu nous embêter plus que ça. Donc je sais pas vraiment comment ça me fonctionne en fait. Est-ce que ça fonctionne correctement? Telle est la question. Est-ce que ça fonctionne correctement? S'il faut, non.
on va refaire pareil. Tout ça parce qu'on a un temps de merde, quoi, obligé de dormir une heure pour se réchauffer. Par contre, je suis un peu déçu, c'est pour le bois ici. Hein. Très 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 peu de bois. Hein. Par contre, ouais, gelé. Mais est-ce que c'est grave que ça soit gelé? C'est ça que je suis en train de me demander. Est-ce que c'est très grave, non? Yeah, let's go! Encore le brouillard électrique. Je sais pas si j'en ai parlé la dernière fois. Vous savez, la radio là qui n'existe pas encore pour le moment. Cette radio là avec les aurores boréales et apparemment ce brouillard électrique là, elle devrait nous envoyer des informations. Attends, on voit rien quoi. Elle devrait nous envoyer des informations et on devrait découvrir des trucs par rapport à de l'histoire ou pas quoi. Attends. Ok, c'est là. Et mais bon. On l'a pas. On n'a pas la radio, donc à la limite ça pourrait être marrant, mais ouais, on n'a pas la radio, c'est chiant. Donc ça aussi, ils auraient dû mettre les deux en même temps. Ok, plus qu'un alerte. Ah oui, mais un truc j'étais en train de me dire, je sais pas si j'en ai parlé alors, après j'arrête de me plaindre, c'est pas vraiment me plaindre, c'est faire un constat en fait. Alors déjà cette zone elle est grande et honnêtement un peu chiante à se déplacer. On est là, bon ça je l'ai dit plusieurs fois, ça va vous avez compris. Et je me dis que le brouillard là, pour l'éviter il faut aller au sous-sol, il y en a seulement un à l'aéroport. Je sais pas si je l'avais dit la dernière fois ça. Et du coup, ben ça pousse pas vraiment à l'exploration en fait de cette zone. Parce que si le seul endroit où on est tranquille, c'est le sous-sol de l'aéroport, bah ben, du coup en fait il faudrait camper au sous-sol de l'aéroport. Voilà. C'est. Ben, ça pousse pas du tout à s'échapper. Enfin, à aller plus loin que l'aéroport, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que sinon on est comme nous bloqués avec l'insomnie tout le temps là. Donc ouais, je trouve ça un peu étrange d'avoir fait cette mécanique. À la limite, si t'es dans la maison, que ça te protège, ça serait bien, quoi. Mais là, même dans la maison, tu te prends de l'insomnie. Ah, par contre, notre vie, elle est en train de prendre ultra cher. Ouais, là on va être dans la merde. Je crois encore heureux qu'on a encore un seul sac à bouger, hein, parce que là. Là on va être dans la merde. Getting a bit thirsty. Et en plus, il faut que j'aille récupérer du bois. Hein. Faut que j'aille récupérer du bois. Bon, après, je peux me débrouiller avec ce qu'il y a, c'est pas trop grave. Mais bon. On pourrait faire un feu à la limite pour chauffer un truc, mais ça encore. J'ai pas vraiment le luxe de pouvoir faire ça. Parce qu'on a pas on a très peu de bois. Enfin, on n'a pas de bois à porter maintenant. Mais surtout, on a très peu de bois à couper, genre à la maison par exemple. Mais, je veux bien couper des chaises et tout ça, mais au final, on va pas avoir beaucoup. Et on n'a pas de fait tout, donc on va pas pouvoir cuire rapidement. Et je crois que j'ai pas de steak d'avance, j'ai que du cru là. Donc il faut absolument au moins faire cuire des trucs, vite fait.
On va devoir bouffer des massettes, quoi. C'est con. C'est con, mais je crois qu'on va devoir bouffer des massettes pour augmenter notre calorie et dormir. Alors qu'on a des bons steaks de 1080 de calories, là, si on les fait cuire. Allez, on a fini. Dernier. Putain, j'y crois pas que le loup, il ait bouffé un sac, quoi. Ben là, on en apprend. Là. Enfin, moi, j'en apprends. Honnêtement, je pensais pas. Je sais qu'ils... ils peuvent bouffer, genre, les lapins qu'on pose par terre, les boyaux, les steaks, en tout genre. Ils peuvent même manger du loup, hein. Les loups peuvent manger du loup, hein. Ils sont carnivores et ils sont... même entre eux. Mais je pensais pas qu'ils pouvaient bouffer un sac entier, en fait. Ouais, ça, je savais pas. Ça, c'est un peu pourri, quand même. Il nous faudrait un beau temps pour qu'on aille couper du bois par terre. Vous savez, genre les troncs qui sont tombés. Enfin, les troncs. Les... bah, les logs, quoi. Les gros... ouais, les trucs, quoi. C'est pas des troncs, c'est pas des brindilles, mais un truc un peu plus gros. À la limite, ça serait bien qu'on puisse les couper, en couper quelques-uns. Les barils aussi. Ceux qu'on a à côté de la maison, ou même là, tout ça, hein. Il y a peut-être des trucs à l'intérieur en plus. Il y a peut-être des choses, je sais pas si c'est possible. Mais déjà rien que ça, en plus il y en a vraiment beaucoup. Hein. Ça fait 2 bois de récupération je crois, par baril. Pour genre 20 minutes, c'est rien du tout. Hein. C'est rien du tout 20 minutes. Et ça, ça peut vraiment nous aider pour le bois. Donc ça serait bien qu'il fasse un peu meilleur. Et qu'on arrive à faire quelque chose parce que... même de l'eau, j'en ai pas énormément. Ah, j'ai encore des tisanes à la limite. J'ai encore des tisanes. Ah putain. Putain, quand on est pressé comme ça et on est limite à crever. Qu'est-ce que c'est chiant de pas pouvoir avancer à cause de conneries. Aïe 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 aïe. En tout cas. Ouais, donc il nous reste ça d'eau et on a en prêt encore des massettes, ça va. Si je fais ça, une heure. Ah oui, c'est parce que c'est gelé. 34 minutes. Ouais, en fait, il faudrait dégeler les sacs. Donc ouais, il faudrait plus les laisser à l'intérieur, je crois. Ouais, je crois qu'il faudrait mieux les laisser à l'intérieur, je pense. Je sais pas si ça se dégèle, en fait. J'en sais rien. Mais sinon, ouais, y a pas de... bah attendez, on va dormir une heure, histoire de... de se réchauffer et tout ça, parce que je voudrais regarder pour... ah merde, j'aurais dû boire. Mais je voudrais regarder pour du bois à l'extérieur, vite fait. Si on peut pas faire cuire, déjà. Est-ce que... non, c'est toujours gelé. Non, une fois que c'est gelé apparemment. Parce qu'en théorie, quand c'est à l'intérieur, ça devrait dégeler, non? Oui, j'ai ça aussi à faire. Oui, mais on va le laisser là. On pourrait manger le truc moisi, mais bon, peut-être que ça va être la merde. Ça va nous rendre malade, peut-être. Il y a strictement pas de bois, quoi. C'est incroyable. Il y a un lapin là-bas. Incroyable cet endroit. Il faut voir là-bas, de ce côté peut-être. C'est une île avec des arbres. Il n'y a aucun bois qui tombe. Ça va me rendre fou, ça. Ouais, je crois que ça, c'est le pire du pire, en fait. Ça m'intéresse pas, c'est 10 minutes. Allez, petite brindille. C'est quoi ce bruit? On aurait dit un tir. C'est marrant, non?
Genre un tir lointain d'un fusil de chasse ou un truc comme ça. Non? Oh, c'est quoi? C'est pas un igloo, ça? Ah, les igloos, ça nous protège pas. Ça nous protège pas du truc. Ah mais non, mais je peux pas voir en fait. Ouais, parce que si j'ai plus la barre en fait qui monte, donc, du coup je sais pas. Oh merde, attends, me dis pas que je vais être buggé. Non. Oh mon dieu, je déteste ce jeu. Ok, il y a vraiment une merde avec les igloos. J'en étais sûr que j'allais être buggé. Parce que j'ai vu le... Normalement, quand on sort directement. Mais là, là on avait utilisé, démantelé et tout ça. Automatiquement. Non, mais ils ont buggé l'interface. Hein. Ils ont buggé l'interface. Parce que en fait, ils doivent... le jeu il doit sauter l'étape où quand tu sors, bah, tu sors de l'igloo, en fait, tout simplement. Oh là là, putain, Interland, vous me faites chier, vous faites tout pour me... Tout pour m'énerver, quoi. Tout pour m'énerver. C'est bien, hein? C'est bien, hein? On s'amuse, hein. Ouais, non, mais les igloos, faut pas les utiliser. Bien. Ça va faire plus de 2 semaines, hein, quand même. Ah, on a encore entendu le pam. À moins qu'il faut appuyer autre part pour éviter d'être bloqué. Je vois pas où est-ce qu'on pourrait le faire, en fait. Donc en fait, ça veut dire qu'on peut pas utiliser les igloos. Ah mais ça doit être le bruitage en fait du le brouillard qui fait ça. Par contre, la peau de serre, là, elle m'intéresse. Mais on peut pas se permettre. Et vous voyez, là, ces morceaux de bois, là. Ça, on peut les découper, ça. Ouais, pas mal, cette île, mais bon. Ouais, on peut les découper, mais il faut que ça fasse bon, quoi. Par contre, faut que je me grouille parce qu'on va avoir froid, j'ai faim, j'ai soif. Il y a tout qui va pas, quoi. That guy who drank his own pee doesn't seem so crazy right now. Quoi. En plus, je suis sûr que je me suis perdu. Un truc que je peux faire, c'est boire les tisanes là, qui remettent de la vie. Ah oui, je peux faire ça. Oui, je peux faire ça. Ça peut m'aider. Pas les tisanes, hein, mais les trucs qu'on fait avec les boulots là. Tisane de boulot. Ou tisane de, je sais pas quoi. Ça là. Progressivement. Ça nous donne un régène. À la limite, on peut boire ça. Ouais, ça donne un régène. Amélioration de l'état.
Vous n'avez pas besoin de dormir, là je dors juste pour se réchauffer et tout ça, ça va plus vite en fait. Alors, fais voir un peu le bois. I could eat a horse. 17, à peine 17. C'est pas beaucoup. Vraiment pas beaucoup. En plus, faut qu'on dorme. Donc, on va pas faire à manger maintenant. Ah non, on n'a pas de. Bon, vous savez ce qu'on va faire? On va. On va manger plusieurs massettes et on va dormir plusieurs heures parce que là, là on n'y arrive pas là en fait. Et je voudrais faire le feu, mais on va pas faire le feu si on est fatigué parce que sinon, sinon il y a plus rien à faire. Enfin, on va faire le feu pendant 2 heures, après on va aller dormir, ce serait débile. Ce serait un peu débile. Je devrais prendre ça à la place. Enfin, quoi que non, on a déjà l'autre qui est encore activé. Ok. Très bien. Ok, nickel. 7 heures. On va voir si on se réveille ou pas. Il y a une tempête, tu te fous de moi? Ok, amélioration d'état, très bien. Non, mais ça sert... mais ça fait quoi, ça? Vos sommeils sont perturbés et votre peau fréquemment interrompue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se réveille ou pas du tout? C'est ça que je voudrais savoir. Je me suis jamais réveillé, hein. Très bizarre, ce truc. Vous voyez, 52%, vous avez vu, les pourcentages descendent très très vite. Hein. Descendent très vite. Alors, il nous faut un peu de bois supplémentaire. Alors attends, s'il fait pas froid du tout, je vais couper du bois en bas. Mais ça m'étonnerait. Ouais. Ouais, non, il fait froid. Ah non, 20 minutes, ça c'est 20 minutes dehors. Ça c'est la merde, ça. Mais bon, on peut se débrouiller avec ce qu'on a déjà. Et après, on peut rentrer à la maison et. J'ai récupéré la boîte d'allumettes qui était en bas. Ou pas? Haha! C'est la question, ça. J'ai récupéré la boîte d'allumettes que j'ai laissée devant le feu ou pas? Oui, ça va. J'ai eu un petit doute. J'ai eu un tout petit doute. Faudrait qu'on regarde Carcasse aussi. La Carcasse, on est monté niveau 4, je crois. Je sais pas si on était déjà niveau 3 ou alors est-ce qu'on a fait un boost à... parce qu'on a découpé toute la bestiole. Je sais pas si c'est... Je sais pas. Okay. Ça devrait être bon en chaleur. Oh, so cold. Non. Attends, en plus, on est obligé de mettre beaucoup de bois. Ok, ça devrait être bon en chaleur. Alors, du coup. Ouais. Oh là là, tu m'embêtes. Tu m'embêtes. Ça parce que j'ai froid. Je vais aller récupérer les autres sacs pour qu'ils sèchent. Enfin non, ils se dégèlent. On va faire ça parce que la porte qui se ferme tout le temps automatiquement, ça aussi, ça commence à légèrement me frustrer.
par contre les allumettes je les ai pas reprises. Parce que du coup on pourra découper au couteau, ça ira plus vite. Ok, très bien. Alors, nickel. Ça fait aussi. Ok. On a encore combien de bois? On a encore 12 bois à mettre. Ça va. On a encore 3. Ok, 3 sur ça. Alors, on fait voir. Collecter. Parlant de... Après, dans 12 minutes, en parlant d'aurore boréale. Faut qu'on le mange. Nickel. 13 minutes. Bon, bah là ça va. On a rectifié le tir. Ah, ça nous a coûté cher hein, quand même, hein, mais bon. On a rectifié le bordel. Devrait... Si tout va bien, faut pas qu'il y ait juste de vent ou de conneries. Honnêtement, celui-là, là, j'en ai un peu ras-le-bol. J'aimerais juste que ça se passe bien. Genre tranquille, hein. Genre tranquille. 32 minutes, 2h30 de feu. Si, il fait pas froid, hein. Pardon, il fait pas chaud, hein. On augmente pas, quasiment pas. On est à 4 degrés alors qu'on a un feu qui faisait plus de 3 heures, il est à plus de 20 degrés. Hein. Donc on peut pas se permettre encore d'aller crapahuter pour récupérer plus de bois parce que sinon on va geler sur place. Donc je voudrais bien que ça se passe bien. Voilà, je voudrais bien qu'on puisse continuer tranquille comme ça. Rien à faire. 1080 calories. Il faut qu'on fasse de l'eau aussi. Yeah, on est guéri de l'insomnie. Je sais pas du tout ce que ça a fait au final. Zéro. Je sais pas. J'ai jamais été. Vous savez, quand je finis les épisodes, je. Moi, je les coupe. En fait, pendant la nuit. Comme ça, vous savez pas en fait si on a survécu la nuit, qu'est-ce qui s'est passé pendant la nuit, tout ça, je fais exprès. Ah mon dieu, le vent. Mais. J'ai regardé, je me suis jamais réveillé du tout. Hein. J'ai jamais eu aucun problème avec l'insomnie. Hein. Je sais pas ce que ça fait. Donc, dites-le-moi dans les commentaires si vous savez. Si c'est censé faire quelque chose. Si c'est censé nous réveiller ou alors c'est juste que ça nous remet moins de vie ou un truc comme ça. Mais je sais pas du tout ce que c'est censé faire en fait. On va faire ça, on va faire de l'eau vite fait aussi, si on fait de l'eau. Me dis pas que ça souffle le feu. Je le vois bouger le feu. Non, ça. Alors, hop. On va faire ça.
Me dis pas qu'on a froid. Je viens de voir moins de 2 degrés là. On a froid tellement qu'il fait froid. Sans déconner. Quelle merde. On a combien là? On a... Non, toi t'es prêt. On va pas pouvoir tout cuire. Hein. On va pas pouvoir tout cuire. On a quoi? On a une heure. Est-ce qu'il n'y a pas un bois genre vraiment très proche? Ah mais non, mais en 20 minutes là je vais geler moi. Je vais brûler, qu'est-ce que je raconte? Je vais geler. Genre ça, ça va être une heure, non? Bah, une heure, ouais, c'est bon. Putain, s'il faisait bon, honnêtement, j'aurais coupé ça là. Le truc qui est derrière moi. C'est une heure pour couper, c'est une heure pour attendre que la viande finisse de cuire. Donc c'est nickel, c'est parfait. Mais il fait trop froid. C'est vraiment trop froid. Oh, regardez, putain, l'aéroport. Ah, c'est classe. C'est irritant, encore une fois, parce que... On était à l'aéroport pendant au moins 3 ou 4 nuits. Zéro aurore boréale. Zéro. On part. On se tape le brouillard plusieurs fois. On se tape des aurores boréales plusieurs fois. Donc du coup, on voit pas ce... On n'a jamais vu l'aéroport allumé, quoi. Ça, c'est chiant. Ça, c'est frustrant. Là, j'aurais vraiment voulu voir l'aéroport allumé, quoi. Mais bon, comme ça. Parce que là, ça a l'air vraiment fun. Je cherche du bois encore. Ah bah ouais, il y a le cadavre, la carcasse. I can't feel my hands. Ça, je peux pas le couper, ça non plus. Ok, on rentre. Il y a du vent qui me bloque. Honnêtement, un truc qu'il devrait faire... Parce que là, je parle beaucoup... La dernière fois, aussi, j'avais parlé beaucoup du thermos. Ça serait vachement bien. Mais j'ai dans l'idée, j'espère en fait que ça sera comme ça. Ça sera genre géré comme une, par exemple, une tisane que vous chauffez et que vous pouvez réchauffer en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Que vous pouvez constamment réchauffer. Mais genre qui reste chaud pendant plusieurs heures. Ça serait vraiment, 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 vraiment top ça. Imaginez, vous mettez 5 doses de thé à l'intérieur, de tisane là, qui sont chauds. Vous en buvez quelques-unes évidemment. Et puis après, au prochain feu, en fait, vous le... vous la ressortez, comme ce qu'on fait des fois, là. Vous savez, on met genre les... Putain, j'en ai plus. On met des tisanes à côté du feu pour les réchauffer. Et ben là, on peut faire exactement pareil. Genre, on ressort le thermos et hop, on met à côté d'un feu et ça le chauffe, tout simplement. Ça serait vraiment cool. Ce serait vraiment sympa ce système. Mais bon. Faut voir si Interland ils sont malins quoi. Tiens, en parlant de ça, on devrait peut-être faire du feu. De l'eau, pardon. J'en sais rien. Ouais, on va peut-être faire de l'eau d'abord. Ça m'embête parce que j'ai l'impression que c'est un peu perdre du temps de cuisson. Mais bon, là en tout cas on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, 6. 6 trucs de près. Ça nous fait pas mal de calories déjà. Donc ça c'est très bien. Non, ça c'est vraiment cool. C'est vraiment cool.
tout manger. Parce que... Ah non, ça c'est vraiment sympa. Honnêtement, je pense qu'on aurait passé un mauvais moment dans la région. Enfin, déjà, on passait un mauvais moment à la base. Hein, parce que j'arrête pas de me plaindre. Mais sans l'élan, on aurait vraiment passé un mauvais moment. Encore pire. Donc là, ça peut aller. Là, là, c'est vrai que ça rattrape le truc. Bon, il fait toujours un froid de ouf, hein, moins 29. Mais bon. Là, on est arrivé au moment où il fait très froid dans la région. Donc c'est un peu relou, mais bon. On va se débrouiller. Là, on a récupéré un peu de vie déjà, c'est déjà ça. Content. Je suis content. That guy who drank his own pee doesn't seem so crazy right now. Très bien. C'est vrai que j'ai pas de pitage. Pour 2 heures, ça va, c'est bien. Ce qu'on devrait faire, c'est peut-être... Je faisais ça aussi, c'est mettre 2 viandes d'élan, aller dormir 1 heure. Je crois qu'on devrait faire ça. Non, le vent il s'est levé, non. Ah bah on refait de l'eau. Hein. Oh la merde. Oh, je peux faire cet endroit et cet endroit me le rend bien. Ah ouais, non, mais il n'y a pas que moi qui déteste l'endroit. Hein. L'endroit me déteste aussi. Ah, il n'y a pas photo. Hein. L'endroit me déteste. Ah là 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 là. Alors, collecte de carcasses. TLD de collection de viande. Moins de 30%. 75% des carcasses gelées à la main. Et délai pour la peau et les boyaux. Moins de 20%. Incroyable. Incroyable. Cet endroit me déteste et... Enfin, je déteste l'endroit et cet endroit me déteste aussi. C'est incroyable. Allez, on va dormir. Bon, on va dormir. C'est... Là, on a... Ça va. Je vais être honnête, sans faire le... Sans faire le rabat-joie. Ça va. Hein, faut l'avouer, on a, je crois on a quoi, on a encore 4 ou 5 steaks d'élan qui sont prêts, c'est 1080 calories l'unité, on a un peu d'eau, par contre on a zéro bois, ça c'est le problème qu'on a en fait de cette région, c'est qu'on a zéro bois, là, c'est un gros problème, donc le jour où il fait beau, bon, ça va pas être, c'est pas demain, mais le jour où il fait beau, on va couper du bois. On va faire que couper du bois. Genre les troncs là qui sont couchés. Il nous faut ça absolument. Parce que sinon, on va jamais y arriver pour faire du feu. Putain, je suis dégoûté que... On n'ait aucun endroit, en fait, vraiment, hein, qui protège le feu, en fait. C'est vraiment une catastrophe. Bon, allez, on va dormir. Au final, c'était un bon épisode. On s'est bien rattrapé. Puis on a des bons trucs. Ah oui, par contre, je viens juste de voir ça. 23% l'arc de survie.
Donc ça va être la merde. Ça va être la merde très très vite parce qu'on a, on peut toujours pas en crafter un autre. Ouais, on peut toujours pas en crafter un autre. Donc on va, on risque vraiment d'avoir des problèmes bientôt. Je sais pas trop ce qu'on va faire si j'arrive pas à crafter un autre orc. Je vais être honnête, si on... Si on peut pas crafter un autre arc, on part. Hein. Je dirais qu'on part. Ou alors on refait un tour dans les... Sur les bordures, là, dans les... au milieu des arbres, et on essaye de voir si on peut pas trouver un... Comment ça s'appelle ? Un bois, quoi, mais bon. Pour le moment, on a que trouvé des... On a trouvé que des choses, en fait, qui donnent... Du... Des flèches, en fait. On n'a pas du tout trouvé de bois pour faire un arc. Peut-être là. On verra. On va voir. Bon, allez, on va dormir. Ouais, on n'a pas besoin... Ouais, non, 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 on est bien. On a plein de calories et tout ça. On va dormir. Ça va nous donner plein de vie. Ouais, c'est cool. Je suis content. À la prochaine. Ciao.